Sapristi aussi. Avec GG. Et avec Fab. Avec qui ? Épisode 4. Sapristi aussi. Hey les sapristos, comment qu'ils vont ? En direct de nos micros, on est hyper heureux de vous retrouver avec Fab pour ce que j'aurais envie d'appeler l'épisode 4. Ça tombe bien, c'est l'épisode 4. Ben oui, comment ça va Fab ? Ça va très bien toi ? Bah écoute, plutôt pas mal. Alors on est aujourd'hui le 22 décembre, et bien évidemment on fête les... J'ai pas regardé. Ah bah en fait les François-Xavier. Il y en a pas beaucoup. Oh, je c'est pense pas François-Xavier, sont... Françoise-Xavier, non. Françoise-Xavier. Il y a Xavier Tibéri. Ah bah c'est... j'ai cherché du coup et oui. C'est la seule que je... Mais Françoise... Oui. Il y a François-Xavier. Alors, oui, François-Xavier, j'en ai connu. Des FX, des FFX, des tout ce que vous voulez, mais des François-Xavier... Bah, mais ils ont une fête. Voilà, moi, j'ai pas de fête dans le calendrier. Bon, non. Bon, tu me diras, la mienne est cachée aussi. Hein. La tienne est cachée. Mais là, moi, j'ai pas de fête, mais des François-Xavier, par contre, on en trouve... Oui, non, mais c'est ça, c'est... En même temps, le 22 décembre, on est occupé à faire des cadeaux. Ma mère, qui s'appelle Catherine, cette sainte Catherine, elle en a... 3 ou 4 fêtes par an, bah. Tout pour sa gueule, hein, celle-ci. Hein. Ah bah oui, non, mais, tu te penses bien qu'avec Marie-Paul, des Marie, des Paul, des Paulette et tout ce que tu veux. Ah bah ça, il y en a foison, alors nous, par contre, coucou. Ah merci, accroche-toi. Alors non, on ne s'appelle pas Kevin et Jordan ou Kaiden et... Non, bon, il n'y a pas trop de secrets. Rousse. Voilà. Faites-vous de devoir, hein, réécouter les épisodes, vous aurez peut-être des indices. Oui, le mien a déjà été balancé. Hein. De toute façon, moi, c'est Fab, il n'y a pas beaucoup de Fabrice, Fabien, Fabine ou Fabio, voilà. Quoi. Fabio, je connais un Fabio. Oh non. Ouais, qui est étrangement italien. Ah bah, je l'ai pas vu venir celle-ci. Ah bah non, ah non, mais alors ça. Bon, j'ai quand même fait mes devoirs. Donc, on a eu deux éléments la semaine dernière où je devais faire mes recherches. Ouais. La première était... bien évidemment, la comptine que ma mère chantait. Sur Napoléon. Sur Napoléon. Donc, tu te doutes bien que je n'ai pas trouvé l'origine de la... C'est mais, trop vieux, peut-être. Mais, ouais. J'insiste et je pointe mon doigt, j'ai trouvé une variante. D'accord. Et en ce moment, les variants, c'est un truc qu'on aime bien. C'est très tendance. Ah oui. Alors, donc, je la rechante hein, avec peut-être un peu plus peut-être d'enthousiasme. Et de voix. Et de voix. On assume dire plus. Que, oui, depuis qu'on a viré le stagiaire, moi, ça me va mieux. Hein, ce... Oui, non, 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 je plein d'autres des stagiaires. Je, mais... je me suis vengé sur lui. Bon, mais bon, ce café, il vient, là. Ah, pour qui est cappuccino? Donc, Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a trouvé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine. Donc, originellement, c'était en train de sucer... C'est le fil de son caleçon. Eh ben, tiens, premier petit jeu. En train de quoi, dans la variante? Ça rime avec « on ». Oui. Ouais, 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 ouais. En train de... C'est un vêtement ? Non. Et toujours sur la baleine, on est d'accord ? En train... Oui. Avec un hameçon ? Non. Mais on est dans le vocabulaire du... De la pêche. De la pêche. Harpon ? Non. Alors, on va y aller, parce que le podcast va durer 53 si on commence dès le départ. Un poissonnier, je sais pas si t'as connu des poissonniers dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qu'il vend ? Des poissons. Ouais. Donc, en train de sucer des arêtes de poisson. D'accord. Je sais pas lequel des deux était le plus débile dans le... Perso, j'ai très peu de fil à mes caleçons. Très peu de poissons dans tes caleçons. C'est ça. Par contre, tous mes poissons ont des arêtes. C'est vrai. Je vous demanderai de méditer là-dessus. Mais tu as dit que t'allais la chanter, tu l'as juste racontée. Ah bah, si la foule qui est ici avec nous ce soir peut... Oh, bon bah d'accord. Napoléon. Je peux vous la faire en version... Alain Souchon. Mort Sainte-Hélène, son fils Léon lui a trouvé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de sucer des arêtes de poisson. C'est pour le petit poisson. Ça nage dans l'eau. Et puis sinon, au rayon, deuxième devoir, on a parlé de Ficelle Picarde et de Pierre Bonte. Oui. Alors. C'était dans l'épisode dernier, ça ? Mais oui. D'accord. Bah, il devait être 4h23 quand on l'a enregistré, ce passage-là. Donc, effectivement, Pierre Bonte, comme. Tout le monde le connaît, comme tous les jeunes que nous sommes. Ah oui, étrangement, nous, à notre âge, personne d'autre ne connaît. Qui était on veut dire, un globe-trotteur de la France. Le Jean-Pierre Pernaut d'avant, en fait. C'est un peu oui, bizarre. C'est ça, oui. Ouais. Oui. Il allait dans les régions pour voir les petits métiers, les petites gens, comme on dit. C'est ça.
que t'es bien sympathique, tout ça. Voilà, les sabotiers, les faiseurs de crêpes, les... Les tailleurs de couteaux. Tailleurs de couteaux, ouais. Eh ben, il a enregistré une vidéo qu'on peut retrouver sur l'INA, sur la ficelle Picarde, avec Pierrot de Lille. Ah, oui. Personne n'a regardé en boucle. Allez voir sur Ina. Ina Cuisine, Ina je crois. Ina Vintage Cuisine, un truc comme ça. Et ben en fait, la ficelle Picarde n'est ni plus ni moins qu'une crêpe fourrée aux champignons et à la béchamel. Encore un truc qui a été piqué au breton, ça. Ah bah ça. Ah bah ça. On veut pas avoir d'ennui avec personne, mais non. Quand même. Hein. Et franchement, ça me fait envie. Bah oui. À l'occasion. Crêpe fourrée aux champignons. Oui. Avec du jambon et je sais plus quoi. Je crois un peu de bière, parce qu'on est dans le Nord après tout. À part la bière, ouais, ça peut me chauffer, ouais, carrément. Oh, à part la bière. Non. Même carbonate, ça, je suis pas. Ah bah, je note, ça peut toujours servir. Non, ça me chauffe pas trop. Bah après, j'ai pas souvenir d'avoir essayé, mais. À vue de pif comme ça. Non, oui, ça non. Peut... Donc voilà, c'était mes devoirs, donc je sais pas si tu. J'ai pas fait mes devoirs. Enfin, je vais pas. T'avais peut-être pas de devoirs à faire, peut-être aussi. Non, mais je le ferai à l'avenir. J'ai pris mon petit bloc-notes pour savoir, parce qu'on a une fâcheuse tendance à digresser beaucoup et à jamais fermer aucun sujet. Donc là, si dans cet épisode-là, on ne clôture pas un sujet, on y reviendra la semaine prochaine, c'est promis. Oh, ça fera un petit peu de suivi. Oui, un peu de sérieux, parce que bon... C'est à moi ? Soit c'est à toi, soit je peux en gagner, comme tu veux. Moi, je... Eh ben écoute, je vais enchaîner, parce que je crois que j'ai un peu plus de matière, là, sur cet épisode précisément. Si je te dis Forbans, est-ce que tu connais les Forbans? Je les ai même vus à l'arbre de Noël de l'entreprise de mon père en 92-13. Ah oui, donc c'est déjà la fin des Forbans. Oui. Parce qu'ils ont commencé de bonne heure, tu sais. Hein. C'est pas vrai. Et en 83, donc à un petit moment... Ni toi ni moi n'étions nés. Non. Ils ont engagé une jeune chanteuse. Si je te fais écouter ça. On reconnaît le style Forbans déjà. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas un peu de vocodeur là-dessus ou de... C'est sa vraie voix. Elle a 10 ans. Ah. En 83, 10 ans. Faut que je trouve qui c'est? Oui, s'il te plaît. Donc, né en 73. Oh, ça va pas être une Patricia Cass ou... C'est pas Patricia Cass, non. Est-ce qu'elle est... Elle est française. Elle est française. Est-ce qu'on la connaît pour un registre autre que les Forbans? Carrément, oui. Mais c'est pour ça que j'étais très surpris de la voir là. Ah, genre chanteuse lyrique Non. Mais... Chanteuse pas heureuse, quoi. C'est pas ça. Mais carrément à l'opposé aujourd'hui des Forbans. C'est-à-dire que t'as les Forbans, ouais, et t'as la classe de l'autre côté. D'accord. Une chanteuse qui a la classe au cul. Ouais, qui a la carte, comme on dit. Qui a sorti un album récemment? Par exemple, elle ne dirait pas cette phrase « J'ai la classe au cul ». Non. Non. C'est depuis que je travaille à l'ambassade de France que je parle comme ça aussi. Alors tu joues, elle a sorti un album récemment? Oh oui. Oui, elle en sort régulièrement. Ouais. En 73, elle est née. Je suis en train de vérifier son année de naissance. Enfin, si elle avait une dizaine d'années. Je crois qu'elle est. Bah, du coup, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc elle est de fin d'année, déjà. Ça m'avance. Est-ce que c'est pas genre. Une Lara Fabian ou un truc comme ça? Non. Tu as dit quelle année de naissance? 73. 72. 22 ouais. Décembre 72. Qui c'est qui est né en 22 elle décembre fête, c'est 49 ans aujourd'hui. Oh, bon, genre, on lui fait un bon anniversaire. Bon anniversaire. 49 ans. Est-ce que tu l'aimes particulièrement? Je la connais comme toi, tu l'aimes bien? Moi, je l'aime bien. Est-ce que tu me soupçonnes d'une... Est-ce que tu me prêtes un amour particulier pour elle ou... Oh, pas spécialement. Bon, je pense que tu l'aimes comme moi, mais alors, je suis pas fanatique non plus, mais je respecte, j'admire. Ah, dis donc, qui c'est qui a...
Parce que là, ça sème après tout, quand même. Bah oui. De toute façon, on a diffusé le morceau entier. Donc. Bon, je crois que les Forbans sont occupés ailleurs aussi, avec leurs avocats. Donc, c'est son premier single. Qui, 49 ans. J'allais dire qui est sorti, mais non, qui n'est pas sorti. Son premier single qui n'est pas sorti. Qui n'est pas sorti, oui. Oh. Parce que ça, elle devait faire. Enfin, Hills devait faire l'Eurovision, une espèce d'Eurovision jeunesse avec ça. Puis ils n'ont pas été sélectionnés. Du coup, le single n'est pas sorti. Quelle tristesse. 49 ans, qui c'est qui s'appelle? Et la voix, ça te dit rien? Parce qu'elle n'a pas trop changé. Hein. Une voix perchée comme ça. Tu vas remanger, hein. C'est parce que ça coûte. Hein. Ah bah non. Elle a la même voix aujourd'hui, quasiment. Samy Paturel? Non, non, non. Qui c'est qui a une voix aiguë comme ça? Alors, peut-être pas si aiguë, mais on reconnaît un petit peu le petit. Le petit grain. Maureen Dor? Bah, en fait, ce qui me perturbe, c'est que ça fait un peu yéyé, alors que pas du tout, mais. Pas du tout. Est-ce que je peux avoir des initiales, peut-être? Non. Oh, oui. Ce serait un peu facile après. Décidément. Il y a 50 ans. C'est pas Lara Fabian, c'est pas des choses comme toujours ça. Toujours pas, non. Non. Hélène Segarra? Non. C'est dans ce style-là? Mais peut-être que t'as du mal à croire qu'elle a 49 ans. Je la crois plus jeune? Elle fait éternellement jeune. Est-ce que c'est la fille d'un grand chanteur? Non. Ah, c'est pas Charlotte Gainsbourg? Non. Ah mais ça pourrait, c'est vrai que mais sa voix a changé à Charles Gainsbourg aujourd'hui. Ouais, Charles Gainsbourg et puis comme ça. N'importe quoi. Oh, ça qui est. On touche pas Charlotte. Bah oui. Bah aidez-moi aussi vous dans le public là. On vous écoute. Qui ça fait être qu'il y a une voix comme ça qui a un peu perché. Et pourtant elle a fait son début de carrière pas très longtemps après, donc très jeune. C'est quand même pas Vanessa Hoche. Eh ben c'est Vanessa Paradis. Ah bah j'ai trouvé en deux secondes. Bah à peine comme ça. C'est Vanessa Paradis. C'est pas vrai. Tout le monde pense que c'est Joe le taxi. Ce qui est pas partout. Hein. Ah non non. Et il marche pas au soda. Son saxo jaune. Non non, donc elle a commencé vraiment avec ça en 83. À 50 piges dis donc. 49, la vie c'est pas non plus. Oui non mais... Ouais. Donc elle a eu son enfant tard alors. Oh, bah, je sais pas qu'elle a... Bah, elle a 18... Ah non, elle doit être mineure encore. Bah ouais. Et ouais. Elle a un garçon, je sais pas s'il est plus grand. Je suis pas très people mais il doit être... Eh bah allez, on note, allez. C'est parti, large. C'est parti, vous saurez au prochain épisode. Ou allez voir tout de suite... Parce que c'est vrai que c'est des informations qui sont quand même pas faciles à avoir quand même. C'est pas facile à avoir du tout, faut vraiment fouiller. Aller à l'état civil et tout ça, de la ville de Melun. Non, ah, c'est pas facile. Et voilà, donc c'était la première question en rapport avec c'est le questionnaire spécial. C'est vrai qu'elle chante comme un petit punk, dis donc. Mais sa voix, pas tellement... C'est ça, oui, non, c'est vrai. Changé, hein. C'est vrai. Maintenant que tu sais que c'est elle, c'est évident, en fait. C'est ça. Ça. Ouais. Oui. Donc si tu la repasses maintenant, si on la réenregistre... Ah, c'est pas de cette parade demandée, hein. Bah non, là, c'est les Forbans. Et là. Là, on reconnaît. On est, ah, pas, oui, loin. Carrément, on oui. Est pas loin de Joe le taxi. Mais c'est marrant parce qu'on dirait quand même que c'est un peu trafiqué. Hein. Accéléré peut-être ou... Non, elle a toujours une voix particulière. Bon, là, ça suffit pour... Oui, parce que bon, bah, la SACEM, voilà. C'est pas la SACEM, c'est les Forbans aussi. C'est pour nous. C'est pour... deuxième question en rapport avec ça. Donc, je t'ai dit, elle a une carrière qui a débuté très jeune, je crois que c'est en 87, ouais. Joe le taxi. Et le 16 avril 93... Alors qu'elle est en plein concert à Grenoble, que fait Vanessa Paradis dans le feu de l'excitation? Il s'est passé quelque chose de particulier. Alors, attention, parce que le feu de l'excitation... En plein concert, on est d'accord. Oui, donc c'est pas comme un petit toutou, elle s'est pas mise à pisser sur elle. Non, elle s'est pas rotée sur qui que ce soit. qu'est-ce qu'elle a pu faire dans le feu de l'excitation? Sur scène. Avoir un fou rire ou se mise à pleurer? Non. C'est mignon? Ni dire Judith Godrèche à la place de Judith, tu sais, ou César. Je sais pas si c'est ça. Judith Godrèche à la place de... D'une autre Judith, je sais plus laquelle. Judith Magre, peut-être, je ne sais pas. personne à notre âge n'a Judith Maigre. Est-ce que c'est un truc qui m'aurait fait rire, oui. Qui m'aurait gêné? Alors, ça dépend si c'est toi qui es impliqué ou elle si t'es roté. À côté. Elle a pas roté, non. Non. Ni par le sud. Ni par le sud. Pas Vanessa Paradis. Bah, elle a mangé son radis. Pas et... Vanessa Paradis. Pardon. Il y a des gens peut-être, Pierre Ménès peut-être, mais pas Vanessa Paradis. Je me fais gronder des yeux. Je sais pas si vous avez pas ça, vous, à l'audio, mais...
Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle s'est vautrée? Non. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle s'est gourée dans ses paroles? Non. Elle a oublié ses paroles? Non. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Est-ce que ça pourrait m'arriver? Mettons que tu sois sur scène en plein concert. Ouais. Ok, donc c'est quand même réservé aux chanteurs. C'est réservé aux chanteurs et avec du matériel. Elle a fait tomber son matériel? Non. Enfin, elle a... Elle a pété une guitare. Elle jouait d'un... Quand tu sais pas trop jouer d'un instrument, tu joues d'un autre instrument, portable. Okay. Lequel? Un accordéon? Non. Vanessa Paradis, l'accordéon. Pas bon elle, vieux elle, elle a déjà fait les formants, elle veut pas non plus. Vous êtes sur France Bleu Berry. De la basse? Non. Non, non, très portable, dans une poche. Game Boy? Non, mais un instrument de musique. Ah, un harmonica, un kazoo? Un harmonica, absolument. Elle a avalé son harmonica? Non, je veux l'excitation, je veux bien, mais non. Qu'est-ce qu'elle a fait avec son harmonica? Elle a craché, elle a mis à l'envers. Je vous le dis, parce que comme tu dis, ça va durer 8 ans. Oui. Elle a lancé son harmonica dans le public, et quelqu'un l'a reçu dans l'œil. Ah, c'est malin. La star décide alors de s'excuser en le rencontrant quelques jours plus tard. Ouais. N'est-ce pas? Qui depuis vote l'extrême droite et... Et finit par se rendre compte. Alors ça, c'est tout le sel de ces petites informations fausses parce que en fait, c'était un mythomane. Il a fait croire qu'il avait reçu dans l'œil, en fait, non. Donc, c'est juste pour histoire de faire un petit jeu avec ça. Je juge de mon souffle de nez. Oui. Oh, il a bien soufflé du nez. Ah bah. Vanessa avait été choisie au départ pour incarner le premier rôle d'un film ultra culte. La Boum. Non. Ah merde. Plus tard. Beaucoup plus tard. Amélie Poulain. Je la savais. Non, je l'ai regardé hier soir. Je me suis dit, un film ultra culte avec une femme un peu indépendante, tout ça. Eh ben, c'est exactement ça. Elle devait jouer le rôle d'Amélie Poulain au départ, à la place d'Audrey Tautou. Oh. C'est dingue. Et tu l'imagines, le film? C'est pour ça que j'ai eu un moment de silence de mon côté, ce qui n'arrive pas souvent. Je sais pas. C'était vraiment la première actrice choisie par Jean-Pierre Jeunet pour incarner le rôle d'Amélie Poulain. Oh, ça pourrait... elle a dû refuser à cause parce qu'elle sortait un album à ce moment-là. Donc c'est la raison qu'elle a donnée, hein, après. Oui. Et voilà, c'est fini. Bah après, ça aurait pu être cool, mais après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé de films avec Vanessa Paradis, à part Elisa. Elisa et le très grand film qui s'appelle Un amour de sorcière. Ce que j'allais dire, ensorcelé ou un truc comme ça. Je crois que c'est Un amour de sorcière, oui. Qui est pas facile. Pourtant, je sais que vous êtes tolérant. Je suis très tolérant, mais c'est pas facile. Il a pas eu de César, celui-ci. Non, 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 non. Alors, j'ai une petite anecdote supplémentaire qui est absolument délicieuse. Alors, c'est fini pour le jeu Vanessa Paradis. Oh, mais c'est trop vite. Est-ce que vous saviez qu'elle était en couple au tout début avec Florent Pagny? Tu le savais? La pauvre, non. Non. Florent Pagny qui avait 26 ans, et elle en avait seulement 15. Allez. Alors, sans aucun jugement sur Florent Pagny, bien que vous aurez bien compris, ce que je vais vous dire façon. Maintenant va montrer un peu le personnage. Bah oui, non. En fait, il y a le producteur de Gérard Louvain, qui débutait alors sa collaboration avec Florent Pagny, a expliqué qu'il s'était rendu dans le sud de la France, chez eux, pour les voir, et qu'il les a surpris en train de bronzer tout nu au bord de la piscine. Et Gérard Louvain leur dit « Mais vous êtes dingos, les gars, il y a des paparazzis. » Ah oui. Et Florent Pagny aurait dit oh, « T'inquiète pas, mon pote, elle est mineure, on risque rien. » Les paparazzis peuvent pas la prendre en photo. Ça donne une idée du personnage, quand même. Non, mais sérieusement, là... C'est magnifique. Je suis désolé de terminer là-dessus. À toi. Alors, bon, bah, on va faire un truc un peu plus... Bon, j'ai envie de te dire, faisons un petit jeu en 3. Patronyme? Non. Bravo. Il y a Marion Genardi qui te... T'as gagné. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de nom. De nom de patronyme. De patronyme. Ouais, ouais. Je me suis dit, pourquoi des noms? Parce que François Xavier, c'est un prénom qui est peu courant. Et puis, bah, au fil de mes digressions que j'ai fait tout seul, je me suis dit, allez, on va jouer à un jeu qui s'appelle « Trouve le vrai nom derrière les pseudos ». Oh, bah, je peux ne pas être mauvais là-dessus, j'aime bien. Ouais. Ou plutôt, trouve les pseudos derrière les vrais noms. Ah, je peux être mauvais. Si je te dis... Ah, un fastoche pour commencer. Vas-y. Qui est Eve Valois? Lolo Ferrari. Alors, on voit tout de suite les... Alors, j'en ai un paquet. Vas-y, j'adore ça. Ok, si je te dis Daniel Farid Hamidou. Danny Boone. Oh, mais ça va durer 20 secondes. Richard Benguigui. Richard Berry.
Stéphanie Germanotta. Oh, Germanotta. Stéphanie, t'es sûr? Oui. Germanotta, ça me dit quelque chose, ça, je connais. Stéphanie Germanotta. Non, j'étais sur Dalida, mais c'est pas ça, c'est Gigliotti. Ah! Non, mais je l'ai pas. Ah bah, cherchez, vous pouvez poser des questions. Stéphanie Germanotta, est-ce qu'elle est encore en activité? Ah oui. Je suis sûr que je connais. Ah bah oui, c'est sûr. Et est-ce que c'est un pseudonyme, un seul nom? C'est pas un prénom, un faux prénom et un nom? C'est pas Stéphanie quelque chose? Non. C'est un nom. C'est un pseudo. Un pseudo, mais d'un nom. Il n'y a pas un prénom. On retrouve ni Stéphanie, ni Germanotta. C'est comme Benabar, en fait. Il y a un nom, non? Ah non. C'est composé. C'est composé. Ah, mais si, je sais. Mais si, Lady Gaga. Oh. Ah, parce que je t'avais prévu un indice musical. Non, mais je trouve Lolo Ferrari, mais pas... Oui, bah là, j'aurais pas trouvé. qui est Claude-Joséphine Rose Cardin? Madame Claude? Non. Claude, ah non, je sais pas, non. Pareil, hein. je vais juste me... Française? Alors, oui mais non. Italienne. Cardini? Claudia Cardinal? Oui. Alan Stewart Konigsberg. Alan Stivell? Non. Alan Stewart Konigsberg? Ouais. C'est un acteur américain? Non, c'est pas un acteur. C'est un chanteur? Non. Ni un cascadeur. Un politicien? Non. On est dans le monde du cinéma. Un réalisateur? Mm-hmm. Est-ce que son nom fait totalement américain aujourd'hui? Ah oui, grave. Ouais. T'as préparé une musique de film? Ah, je pourrais, si tu me poses des questions, je... Et il est encore vivant? Ouais. Francis Ford Coppola? Non, plus vieux, je dirais. Ah, de Konigsberg à Coppola, il y a une étape, là, mais... Non, t'as dit que c'était très, très, très américain, son nom. Ah oui, grave. Je peux te faire des indices musicaux comme comme si j'étais Laurent Ruquier. Alors, premier indice musical. Tu nous as encore sauvé, Woody. Oh, tu es mon adjoint préféré. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. C'est un rapport avec Toy Story? Ouais. Quand tout s'embrouille. Steve Jobs? Non. Comment s'appelle le héros de Toy Story? Woody Allen. Eh oui, c'était Woody Allen. Alan Stewart Konigsberg. Ah bah j'étais pas du tout là-dessus, non. Si je te dis Virginie Fernandez. Virginie Despentes? Non. C'est une Virginie? Oui. Virginie Le Doyen? Oui. Ah bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petits... Oui, parce que je fais des clics, mais je fais pas des... Est-ce que j'en ai encore d'autres? Oh, je crois que tu dois l'avoir, celui-là. Laszlo Matejkovic. Je connais aussi. Je pourrais me tenter une imitation, mais... C'est plutôt avec le Laszlo qu'il faut... Qui est un peu ressemblant à quelque chose, non? Non. Enfin, si, oui, mais... C'est pas Victor Laszlo? Non. Non. J'aurais un indice, mais c'est vraiment pour les... Les initiés? Ouais, c'est pointu. Et c'est marrant parce que j'en parle à beaucoup de gens de cet indice. Et j'ai l'impression d'être le seul à m'en souvenir. Si tu avais un secours. Les intrépides. Ouais. Alors vous le voyez pas, mais il a la chair de poule, rien que ça monte. Alors je sais qu'il parle dans le générique, ce Laszlo. Je suis sûr que je connais, hein. Parce... Alors. Je trouve qu'il a un parler très identifiable. Je suis Tom et moi Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas. Oh, c'est canadien. Si il y a des soucis, quotidienne. Alors la fille était québécoise. Ah mais tu m'as déjà montré ça. Oui. Écoute bien la voix. C'était pas Laurent Deutsch? Si. Si t'as des soucis, besoin d'un ami. Ah oui. Maintenant que. Il vient te chercher au Châtelet, parce que le Châtelet est une ancienne forteresse du 14e qu'on retrouve... Tu dis comment? Laszlo? Comment? Laszlo Matejkovic. Matejkovic. Donc en fait, il s'appelait Laurent Deutsch à l'époque. Laurent comme Laurent écrit en français. Puis, Laurent il s'appelait Laurent L-O-R-A-N. Ouais. Et en fait, Laurent L-O-R-A-N est la traduction de Laszlo. D'accord. En hongrois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il est d'origine hongroise, oui. Et je pense en avoir deux derniers. Vas-y.
Une fastoche ou une compliquée? Bah, tu veux faire les deux. Allez, à quelle en première? La fastoche. La fastoche. Marie-Claude Jourdan. Le Vamour. C'était fastoche aussi. Et la compliquée, Karine Elaine Johnson. Je vais préparer de ce pas mon indice musical. Parce que ça ne ressemble à rien de son pseudonyme. Ah non. Carole, ah. Carole, non. Karine, je crois. Karine Elaine Johnson. Karine Elaine Johnson, Elaine ouais. Johnson. Actrice. Ouais. Qui est toujours en activité? Probablement, mais elle passe à la télé. Elle passe à la télé tout au moins une fois par an. C'est pas Hélène? Non. Whoopi Goldberg. Comment t'as fait? Faut qu'elle pop-up comme ça dans ta tête. J'aime bien. Oui. Bon bah là ça sème, on vous envoie un chèque hein, parce que là. Et oui, c'est Whoopi Goldberg, donc. D'accord. Alors, effectivement, Whoopi Goldberg, on pourra s'attendre à ce que c'est un vrai... Oui, enfin, Goldberg, quoi. Donc, j'aimerais bien un jour qu'on digresse un jour sur quel pseudonyme on se filerait. Ah ouais, carrément. Et j'ai vu qu'il y avait des techniques de pseudonymisation. La rue où t'as habité avec... C'est ça. Avec, je sais plus quoi, il y avait des trucs comme ça. Bah, après, moi, si c'est mon troisième prénom et la rue où j'ai habité, ça ferait Damien Pays-Bas. Mmh. Bon, ça fait Pascal Livet. Non, Daniel Livet. Oh, ça on fait un chanteur fait de Daniel Livet. De Radio Bonheur. De Daniel Lévy. Qu'on écoute en Bretagne. Alors, un petit indice quand même. Enfin, un petit indice, non, mais une petite remarque. Quand tu verras Whoopi Goldberg, oui. Tu regarderas et en fait, elle n'a plus de sourcils. Ah oui. Et une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus le pas voir. C'est vrai. D'accord. Ouais, alors, elle, j'imagine. Elle raconte qu'elle s'est trouvée plier les sourcils. Que ça ne repousse plus. J'y crois moyen. Je pense que c'est plus un style qui s'est filé ou peut-être c'est une drag queen. C'est pas. Oui, d'accord. Oh non, mais on voit des dames comme ça et qui font des trucs au crayon après. Comme ma prof en CE1. Je suis désolé, je vais devoir couper Sister ouais. Act pour te passer la main. Encore un petit peu. Oui, mais on sait pas, on a 16 secondes, pas plus. Oui. On est foutu de toute façon avec les forbans, on est foutu. Alors, on va passer à d'un moment joyeux à un moment moins joyeux. Parce qu'on va parler d'anniversaire de disparition, dis donc. Oh. Est-ce que si je vous dis Jacques Mayol, ça vous dit quelque chose? Et non pas Jacques Maillot. Hein. Ah non, parce qu'il y a encore de ce monde, Jacques oui, Maillot. Oui, oui, oui. Jacques Mayol, c'est le plongeur. Exactement, ça fait 20 ans. Le grand bleu. Le grand bleu, et ben on va carrément aller là-dessus. Ah ben je suis content que tu connaisses. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés, le vrai Jacques Mayol. Oui, pas Jean-Marc Barr. Pas Jean-Marc Barr. Mais ou Jean Reno, je sais plus quel des deux qui fait. C'est Jean-Marc Barr qui joue le rôle de Jacques Mayol. Et il y a un acteur à l'origine qui devait jouer le rôle de Jacques Mayol à la place de Jean-Marc Barr. Est-ce que tu pourrais me dire qui c'est? C'était Vanessa Paradis. Non, ça marche pas à chaque fois non plus. C'était pas les forbans non plus. Qui devait la remplacer la banane sous l'eau, ça freine un petit peu pour plonger. Oui, ça fait tout plat après, il va plus rien. Donc, un acteur pour faire à la place de Jean-Marc Barr. Ouais. Dans les mêmes âges, par là. L'acteur qui était initialement prévu pour... Et il l'a pas fait parce que... Ah bah, je te le dirai après. Mais... Ah d'accord. Dans les mêmes âges que Jean-Marc Barr, je suppose. Qu'il doit être un peu plus... Ah quoi que... Ou un peu dans plus vieux peut-être. Fin 60, début 70, mais par là. Si tu... C'est de qui, Le Grand Bleu, le réalisateur? Ah oh bah c'est inconnu en plus. C'est, oui. C'est pas Jean-Jacques Hano ou... Non. Qui c'est qui a fait Le Grand Bleu? Oh bah c'est Besson. Exactement. Donc avec ça, peut-être que les gens qui ont travaillé avec Besson, tu peux peut-être trouver. Bah Bruce Willis. Non, avant. Ah, et un Français? Oui. Alors, avec. Qu'est-ce qu'il a pu faire Besson? Jean Reno, bah Jean Reno était déjà dedans. Mm. Un Français. Parce que c'est marrant, parce que moi, Besson, je vois que des Américains avec lui. Il y a Rosanna Arquette dans ce film, je crois. Tu l'as vu ou pas, Le Grand Bleu? Ouais, mais sur Canal Plus le dimanche midi, donc autant te dire que. Ah, tu dormais. À mon avis, je devais pas être vieux. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dormi. Devant Le Grand Bleu. La musique. Mais j'adore. Mmh. C'est. Il suffit de demander. Je vous soupçonne d'avoir préparé votre musique. Mais pas du tout, elle sort de. Elle était là. En début de semaine, peut-être. Non. Besson, avec qui il a traîné? Parce que moi, je vois Taxi Driver. Non. Non. Taxi Driver, c'est pas... Il y a Taxi, mais c'est... Taxi ou Léon? Non, mais là, faut chercher avant Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est fin des années 80. Donc, est-ce que tu peux citer des... Qu'est-ce qu'il a fait avant Besson? Ouais. Alors là... Ah, pour moi, c'était Le Grand Bleu, son premier.
Et avant, ils faisaient que des nanars. Non, avant, il y a eu Nikita. C'est avant, là ? Et Léon, ça doit être un petit peu avant, un petit peu après. Non. Peut-être un petit peu après. Après, parce que. C'est 91, un truc comme ça. Nathalie Portman, qui a plus ou moins mon âge, elle était petite dedans. Ah, il y a un petit air de ressemblance. Entre moi et Nathalie Portman ? Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est la frange, ça. Ça m'avait pas sauté, ça m'avait pas sauté aux yeux. Et encore avant, il y avait un film dans le métro. Subway, oui. Je parle de sandwich, mais. Exactement, que tu peux composer toi-même d'ailleurs. Oui. C'est vachement bien. Ah oui, avec une petite moutarde au miel. Ah bah voilà, je me suis fait juger. Non, alors j'ai pas du tout Subway. Bon bah je te raconte. Ah tout, bah alors. S'il te plaît. Eh bien, au départ, c'était Christophe Lambert qui jouait dans Subway. Christophe Lambert. Qui a préféré faire Highlander à tous les coups. Alors Highlander, ça devait être après. Mais. La raison pour laquelle il a refusé, mais, et là j'ai le doigt en l'air. En fait, Christophe Lambert, qui venait juste de faire Greystoke, donc l'histoire de Tarzan, ouais. Qui venait déjà de tourner avec des singes, il s'est dit, je vais pas tourner avec des dauphins, parce qu'après je vais devenir l'acteur aux animaux, et puis après je vais faire quoi, le remake de La Vache et le Prisonnier, et tout ça. Donc il s'est dit, je veux bien jouer avec des humains aussi, donc je dis non cette fois-ci. Et donc, le premier... Un choix de raison, parce que sa carrière a décollé après, hein. Oh, bah il a fait Arlette quand même avec, avec Josiane Balasco. Bon, après, il sort avec Sophie Marceau, ce qui n'est pas. Je ne sais pas si c'est l'actualité ou pas. C'est je sais ça, pas. C'est... Bon, bah, enfin, voilà. C'est vrai qu'il est un peu plus discret aujourd'hui. Mais, donc, il y a aussi Mickey Rourke qui. Alors, lui, qui n'était pas approché, mais c'est lui qui voulait absolument jouer ce rôle. D'accord. Mais il avait déjà une réputation un petit peu difficile, le Mickey. Difficile de type... Du type... Je fais des caprices, je fais des granolas. Caractère, ouais. Je suis tout le temps pété. Et puis, il faut avoir une hygiène de vie quand même pour plonger vraiment. Parce que les acteurs, Jean Reno, oui. et ont vraiment subi des entraînements, ont vraiment plongé très profondément. J'ai souvenir de ce film. C'est Rosanna Arquette qui est dedans. Hein. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs sœurs Arquette. Il y en a une qui a fait une série qui s'appelait genre Medium ou... Ah, peut-être. C'est un rapport avec David Arquette ou pas du tout? C'est une fratrie. Ah, d'accord. Mm. Ah bon, tu vois, on apprend... Comme les Baldwin et... Ouais. Les Fernandel aussi. ce film a marché en France, enfin, relativement. Ouais. Il avait tout pour fonctionner aux États-Unis, mais il a pas rencontré le succès escompté. Et il y a eu deux modifications qui ont été faites, qui sont peut-être les raisons. Est-ce que tu pourrais m'en citer ? Donc, pourquoi il n'a pas fonctionné aux États-Unis à cause des modifs ? On pense que ça pourrait être à cause des modifs. Le doublage qui n'était pas bon ? Non. C'est pas dans une piscine qu'ils vont à la fin, c'est dans la mer ? Alors, il y a un rapport avec la fin. Ils ont changé la fin, effectivement. Alors, est-ce que tu te souviens de la fin ? La fin, ils vont dans une piscine à boire du champagne, ça, je m'en souviens. Non, moi, je m'en souviens. En vrai, je m'en souviens. J'ai envie de le revoir, en fait. Mais moi aussi, à part qu'il dure 7h42. Il y a une version longue. Ah. Mais qui a été sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai souvenir de. Moi, quand je disais que je l'ai vu le dimanche midi sur Canal+, c'était à l'époque où tu t'appelles Code sur le décodeur. Oui. que tu recevais par la poste, c'est ça ? Exactement. Ouais, ouais. Donc ça devait être genre en 92-13 par là, je pense. Tu disais, ils sont tirés en combien ? 80 ? Je pense que c'est en 88 ou 89, ouais, un truc comme ça. Donc moi, j'ai souvenir d'une on fin... vérifiera la prochaine fois les infos qu'on donne. Oui. Oh, si ce podcast était préparé à fond, ce serait beaucoup moins rigolo. Ça saurait. Moi, j'ai souvenir qu'il plonge avec du mobilier de jardin dans une piscine avec une bouteille de champagne. C'est peut-être pas la fin. Ça. Ouais. Ça doit être la fin pour moi. il doit y avoir un qui doit mourir, je pense. Genre Jean Reno qui meurt ou un truc comme ça. Alors, presque. C'est pas Jean Reno. Mais donc, les Américains n'ont pas vu les mêmes images que les Européens, à commencer par la fin. En effet, en France, durant les dernières secondes du film, Jean-Marc Barr se laisse entraîner dans les profondeurs au sillage d'un dauphin. Puis l'écran devient noir. Après, on interprète, on se dit oui. Il se suicide comme ça de sa belle mort. Oui. Comme on dit. À New York ou Los Angeles, là où, parce que c'était pas diffusé au Texas, et c'est vraiment dans les villes américaines européennes, disons. Oui, occidentalisées. Voilà. Le même comédien suit le dauphin, ouais. Mais finissent tous les deux par refaire surface, retrouveront l'air libre et continuent leur vie, de façon happy end, quoi. Je crois que les Américains n'aiment pas les fins ouvertes. À part Thelma et Louise, qui est connue pour sa non happy end. Oui, mais je crois quand même que c'est les fins ouvertes qu'ils n'aiment pas.
Ah oui. Fais, genre Inception, tout ça, où tu fais ta propre idée de la fin. Ouais. Je crois que beaucoup n'aiment pas trop ça au Stathès. D'accord. Chacun fait sa fin, non, ils n'aiment pas. Ouais, trop. Faut que ce soit imposé par le... Un consensus, ouais. Ok. Et donc, tu as une deuxième grosse raison qui pourrait expliquer un échec. Trop de nudité ? Pas assez de nudité. en vrai, je me souviens plus. La musique, peut-être, qui est... Parce que je l'ai vu faire son bouton. Oui. C'est exactement ça. Bah, cette musique qu'on a diffusée. Ouais. Parce qu'en France, en fait, le Grand Bleu, en Europe même, ne serait pas le Grand Bleu sans, parce que c'est quasiment un personnage, en fait, je trouve. Ah bah grave, c'est Eric Serra, je pense. Eric Serra, exactement, ouais. Qui a fait quasiment toutes les BO de Besson. Ouais, carrément, ouais. Subway, cinquième élément, c'est lui aussi. Oui. Et donc c'est un ingrédient... Ouais, c'est planant, hein. Ouais. Et donc, les Américains ont pourtant découvert le film avec un autre compositeur qui s'appelle Bill Conti. Et en fait, pour la simple raison, c'est qu'ils ont tout changé. Enfin, le distributeur américain pensait que pour que ça se vende aux États-Unis, il fallait qu'il y ait plus de touches américaines. Alors, ils ne pouvaient pas changer le casting parce que tout était déjà tourné. Donc, il s'est dit, tiens, bon, on va mettre un compositeur américain pour faire une bonne touche américaine. Du coup, ils ont viré Eric Serra. Enfin, ils ont enlevé le travail d'Eric Serra pour remplacer le travail d'Américain qui était beaucoup moins concluant. Bah, peut-être oui. Mais ça va tellement bien. Mais je trouve. Je pense que si demain je devais faire un stage d'initiation au pilotage, je pense que je vois ça dans les oreilles, par exemple. Par exemple. Par exemple, enfin, peut-être que tu aurais peut-être l'instructeur à écouter. Oui. C'est un agent, c'est pas non plus. Je finirai par cette phrase parce que ça va être désagréable. Voilà. Vous avez bien de finir là-dessus. Bah, moi, je termine là-dessus, le Grand Bleu. Bah, moi, je vais revenir à mes noms. Ah, mais non. Ah, mais non. C'était le dernier épisode, on fêtait les ninons. C'est vrai. Mmh. Et bah là, on va fêter les super-héros. Et il faut connaître les noms des super-héros, c'est ça? Tu sais très bien que je suis mauvais là-dedans, par contre. C'est pour ça que j'en ai pris des pas trop compliqués. J'en connais deux. Qui est Bruce Banner? Bruce Banner. C'est pas Hulk, hein? Et si, c'est Hulk. Si. Allez, je vous emmène. Voilà. Allez. Un plus compliqué. Ouais. Barry Allen. Barry Allen, ça me dit quelque chose. Alors moi, je ne le connaissais pas, pour être tout à fait franc. Et c'est un super-héros qu'on connaît quand même. Ouais. Il y a eu pas mal de séries. Plutôt dans les années 80. Après. Donc nous, on est nés dans les années 80, milieu des années 80. Ouais. Et il y a eu une époque où tu as eu Lois et Clark, Superman, tu as eu Batman sur France 3 en dessin animé. Ouais. Et tu as eu plein de trucs comme ça. Non, L'Homme Invisible. Non, Flash. Ah, Flash. Et en fait, si... Sur M6. Je crois, oui. Ouais. Et en fait, si alors moi, je ne connaissais pas son vrai nom, parce qu'en fait, il y a eu plein de Flash différents. Si on reprend la mythologie de tous ces comics, il y a eu une trentaine de Flash. D'accord. Oui. Ah, c'est réussi une blague sur les radars automatiques. Hein. Oui, ou sur les paparazzi d'accord. Voilà. Si je te dis Hal Jordan. Ça ne me dit rien du tout. Rien du tout. Alors, c'est Green Lantern. Est-ce que tu connais Green Lantern? Je connais, enfin, j'ai pas vu. Alors, je suis très. Alors, si, voilà, on se découvre tous, hein. Mais moi, je suis assez nul en super-héros, en Marvel, en DC Comics. Je connais rien. Est-ce que tu connais son pouvoir à Green Lantern? Il éclaire en vert. Oui. Il va un peu mieux. Il n'y a plus de lumière. Oui, j'arrive. Bougez pas. Vous êtes trop un super-héros, monsieur. En fait, il a une bagouze. Ouais. Et en fait, avec cette bague, il peut matérialiser ce qu'il veut. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, je dirais début 2010, où il y a eu une grande époque de tous les Avengers, trucs comme ça, ils ont fait un Green Lantern avec ce... Oh mince, comment ça s'appelle ? Ryan Reynolds. Deadpool. Ah, c'est lui, d'accord. Ouais. Et en fait, il a demandé au distributeur s'il était possible de retirer ce film. D'accord. Moi, je l'aime bien. J'ai une tendresse pour ce film parce que c'est un film qui est sympa. C'est celui qui est sorti, on est d'accord. Il a demandé à ce qu'il soit retiré, mais il est sorti quand même. Oui, il est sorti. Puis... Ah, parce que je vois qu'il existe. Oui, oui, carrément. Mais je crois que tu le trouves plus sur Netflix, tu le trouves plus sur Disney+, tout ça, parce que, en fait, c'est pas un grand film. Et en fait. C'est pas une suite, non? Ah, je crois pas. Ah, d'accord, il me semblait. Il y a eu les 4 Fantastiques. Style. Peut-être, ouais. Et en fait, Ryan Reynolds arrête pas de dire à qui veut bien l'entendre que
il est pas content parce que tous les films de super-héros qu'il a fait, eh ben, c'est toujours plus ou moins des films un peu poucrave. Même Deadpool ? Donc Deadpool, ça va. Ah oui, c'est pas un Marvel. Mais il a aussi traîné dans un X-Men où il fait Deadpool d'une autre version et il a complètement saccagé Deadpool. Donc effectivement, c'est... D'accord. C'est une petite anecdote Ryan Reynolds. Si je te dis Selina Kyle... Dans les X-Men ? Non. Wonder Woman, non. C'est un DC comic. Je sais pas si ça peut t'avancer, mais... Non, je confonds tout. En fille, il y a Wonder Woman, mais c'est pas ça. Non, ça doit être quelque chose comme... J'ai Linda Diana. Carter, mais c'était... C'est Diana quelque chose, Wonder Linda Woman. Linda Carter, c'est l'actrice de ouais. l'époque. C'est Diana Kramer, je crois. Diana quelque chose, ouais. Ouais. Je crois que c'est Kramer. Selina Kyle... Super fait... Jamie ? Non. Elle fait des pirouettes, des cacahuètes d'ailleurs. Ouais. Elle a été interprétée par, comment s'appelle-t-elle, l'actrice qui joue dans Le Diable s'habille en Prada, Anna Taouet. Donc elle a des gros yeux. C'est Vision. Elle joue Vision. Non, avec des petites oreilles sur la tête. Catwoman. Catwoman. Ah, elle a joué ça. Ouais. Alors, moi, je suis resté à Libéry et Michel Pfeiffer, donc vous voyez. Oh, à Libéry, qui regrette ce film aussi sûrement. Ah bon oh, c'est pas un grand film non j'ai plus. Pas, enfin, je sais qu'elle, j'ai pas vu, j'en ai vu aucun, hein, mais je sais qu'elle. C'est toute cette mouvance en fait des films qui étaient pour habiller des filles en cuir. Oui, voilà, ouais. Et qui avait des effets spéciaux, face Word, quoi. Je pense que. Si je te parle de Steve Rogers, non. C'est un des super-héros les moins aimés. En fait, il est patriote. Il ouais. a été congelé pendant un sacré paquet de temps. Captain America ? Ouais. Moi, je comprends qu'il ne soit pas très aimé parce qu'il ne fait pas envie. Il a un bouclier, en fait. Il a un bouclier en vibranium, qui est un métal qui est quasiment indestructible. Mais il est surtout un peu réac. D'accord. Et dans il est républicain. Oui. Mais républicain au sens des années 50. Donc, en fait, ce n'est pas le même républicain que maintenant. Ouais. Mais quand même. Et la dernière, parce que je n'ai pas fait tant parce que je savais que t'étais je suis pas calé pas féru. Mais il faut me mettre dans la difficulté aussi. Oui, alors par contre, t'inquiète pas que le prochain, je sais que ce sera plus ton domaine. Si je te parle de Aurora Monroe. Alors, pas du tout. C'est Storm dans Tornade dans X-Men, celle qui contrôle les éléments. Ah, c'est une fille ? Oui. D'accord. Avec je crois que c'était Ian McKellen. Ah non, c'est Magneto. Magneto. Magneto, Serge. Magneto, Serge. Eh bien, écoute, si tu as... Je te renvoie la balle. Oh, bah, je prends. Ah, bah, s'il te plaît. Je prends. Ça va être le retour d'un petit jeu. Ouais. Qu'on a déjà connu, qui s'appelle le Sapristi Sausage. Oh, yeah. Est-ce que ça vous dit ? Ah, oui, je l'aime. Eh bah, c'est par... Oh, bah, vous l'avez pas trop aimé la dernière fois. Vous avez fait un AVC, je vous souviens. Oui, depuis que j'ai changé de mutuelle, tout va mieux. Allez, c'est parti. Je rappelle le principe, parce que peut-être que vous venez d'arriver sur ce podcast. Bienvenue. Bienvenue, déjà. C'est Sapristi Saucisse. On a un Instagram et on est sympa. Ah oui, abonnez-vous parce qu'on vient de l'ouvrir et puis on le dit pas assez. Donc oui, et puis il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. C'est agréable. Pour l'instant, il y a nous. Vous êtes où Bah on va peut-être rappeler le. Donc c'est Sapristi _ saucisse _ podcast. Voilà. Venez, on est sympa. Mais oui. Donc le principe de ce jeu, c'est que j'ai pris des chansons, je les ai littéralement. Traduit bêtement avec Google Translate, donc c'est pas forcément des traductions heureuses, mais ça peut être rigolo parfois. C'est parti. Écoutez le sol, il y a un mouvement tout autour. Il y a quelque chose qui descend. Tu l'as ? Non. Et je peux le sentir. Sur les ondes aériennes, il y a la danse là-bas. Si c'est quelque chose que nous pouvons changer, nous pouvons le voler. Et cette douce femme de la ville, elle se déplace à travers la lumière, contrôle mon esprit et mon âme. Lorsque vous atteignez pour moi, ouais, et le sentiment est lumineux, puis-je obtenir la fièvre de la nuit ? La fièvre de la nuit. Nous savons comment le faire. Donne-moi cette nuit, la fièvre de la nuit. Enfin, les Bee Gees. Ah, il n'y a pas le Saturday Night Fever, en fait. Il n'y a que Night Fever. Non, c'est le film Saturday Night Fever. Ah là là, je me serais fait eu. Et je me suis fait avoir, j'étais surpris, je cherchais partout le samedi. Et donc, les Bee Gees sont présents aujourd'hui parce que c'est leur anniversaire. Ils sont morts, mais il se trouve que c'est deux jumeaux, Robin et Maurice Gibbs, d'accord, qui sont nés aujourd'hui, un 22 décembre 49, donc ils nous ont malheureusement 49. Ils nous ont malheureusement quittés. Il reste plus que l'aîné, Barry, je crois. Mais ça ne nous empêche pas de leur faire un bisou. Bah oui. Enfin vite fait. Hein. Ouais, vite fait. Enfin, à Barry, parce que les autres. On continue ? Ah bah oui. Bon, évidemment, je ne peux pas faire une taille 32, mais je peux me bouger comme il se doit,
car j'ai ces fesses qui plaisent tant aux hommes. Et tout ce qu'il faut, là où il faut. Je vois ces magazines abusés de Photoshop. Ah, j'ai. On voit j'ai. Bien qu'ils nous entubent. I had no size too, but I've got this booty booty like I'm supposed to do. Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that. Ah, et donc c'est sympa parce qu'ils ont même traduit la taille 32, dis donc. Bah oui. But the bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. C'est en train de se transformer en fureur du samedi soir, j'aime beaucoup. J'aime bien, ouais. I get your magazine, working the Photoshop. Meghan Trainor est là parce qu'elle a 28 ans aujourd'hui. Ah bah, big up. Je fais un petit... Ah bah oui, bah je veux. Just take a look, each of you is perfect from the bottom to the top. On continue. Bah, j'étais en train de crumper, donc je reviens. Mais... Bébé, retire ton manteau. Vraiment lentement. Retire tes chaussures. Je vais retirer tes chaussures. Bébé, retire ta robe. Oui, oui, oui. Tu peux garder ton chapeau. Tu peux garder ton chapeau. Tu peux garder ton chapeau. Monsieur, tout de suite, c'est plus facile, oui. Monsieur, c'est Joe Cocker. Down. Qu'on l'on m'apporte des persiennes et des vénitiennes. Et Kim Bassinger. Ah oui. Qu'on embrasse d'ailleurs aussi. Ah bah oui. Il a quel âge, Joe Cocker? Alors, il est parti aussi. Hein. Ah oui, il y a des gens vivants, des gens morts. Mmh. Celui-ci est parti, Joe Cocker, est décédé il y a 7 ans, jour pour jour. Ah. Le jour de son anniversaire ou on fait le jour de son anniversaire? Non, non, c'est, là, c'est parce que. Voilà, on fait avec ce qu'on a aussi. Mais ça permet de rendre hommage à des gens bien aussi. Bah oui. Alors, on va changer de jeu, mais je vais me permettre de garder la main. Bah, je vous en prie. Parce que. Venez chez vous après tout. Il y a un lien, cette chanson te fait penser à quelque chose aussi. C'est Basic Instinct ? Non, c'est 9 semaines et demie. Enfin, certains 19 secondes et demie. Okay. Mais c'est aussi la question co. La question in, la question a coquine. Il y a un lien pour ça, c'est pour ça que j'enchaîne. Oh là là ! Parce que, ah ben, on n'arrête pas. Hein. On est à Hollywood là. On est à Hollywood parce que, figurez-vous. Elle est mon plus cher dense, monsieur G. Gardez vos vêtements. Il y a les Zizi Top qui sont en train de courir partout. Les Zizi Pot, ben voilà, j'ai pris donc, dans le tapis. Nous sommes actuellement dans la nuit du 21 au 22 décembre, tout donc fait. Le solstice d'hiver. Et par conséquent, parce que vous me voyez venir, la journée mondiale de l'orgasme. Parce que c'est la nuit la plus longue, fatalement. Et ils réfléchissent au comité des journées. Ah mais attends, évidemment. Donc... Question en rapport avec les orgasmes. Ouais. Quelle autre vertu l'orgasme offre-t-il, à ton avis? Autre par rapport au fait que autre, c'est outre le plaisir. Ouais. Je crois que ça des vertus antalgiques. Mmh. Moi, j'avais vu... Alors, je crois que c'était dans les grosses têtes, un truc comme ça. Genre, bah, dites à votre femme que si elle a mal à la tête, justement, il faut y aller parce que... Oh. Exactement. Elle a les mêmes sources. Et ben c'est exactement ça. C'est l'excuse qui était souvent. Voilà, j'ai mal, j'ai la migraine, chérie. Eh ben, ça tombe bien. Il se trouve que ça libère les hormones, l'hormone du bonheur. Ah ben voilà. Et qui soulage le mal de tête. Et il y en a un deuxième qu'on sait moins par contre. Ça, je me doutais hein, que tu allais trouver ça. Parce que... Je sais pas, moi, je suis pas marié, donc je suis non. Encore vierge. Non, non. Oui. J'ai pas rigolé. Et y a un autre, une autre vertu. Bah, ça brûle des calories déjà. Et bah, pas tant que ça. Hein. Oh alors bon. C'est pas ça, mais je pensais aussi. Enfin, l'orgasme, hein, pas ah l'acte oui. sexuel. Oui, l'orgasme, ouais. C'est juste 2-3 calories comme un tic-tac. Hein. C'est pas, c'est pas c'est beaucoup plus. Calories. qu'est-ce que je peux vous proposer? Une vertu pareille physiologique? Genre ça empêche la dépression, un truc comme ça ou... Non. Enfin, peut-être, hein, peut-être, oui, mais en l'occurrence, oui, j'ai pas le relevé scientifique de ça. Alors ce mauvais jeu de mots va vous me coller. Oui. On a plein de remèdes de grand-mère pour, ouais. Pour guérir ça, mais en l'occurrence... Ça passe les verrues. Non.
Non. Je sais pas, ça rend la vue, ça... Il y a des remèdes de grand-mère qui rendent la vue ? Bah peut-être, je sais pas. On connaît tous des petits trucs qui marchent plus ou moins bien Ouais. Pour guérir de ça. Enfin, guérir, c'est un grand mot, mais le... De quoi on peut souffrir un truc de grand-mère ? L'eczéma ? Non. Un truc dans ce goût-là ? Non. Quelque chose de gênant, mais très ponctuel. Les flatulences, la diarrhée passagère ? Parce que pour ça, il y a l'imodium, mais... Non, c'est pas ça. C'est un truc intestinal ? Non, plus haut. Oui, plus haut. Que tous les soleils qui manquent à tes rêves. La tachycardie, la bronchite, le hoquet. Exactement. D'où il vient celui-là ? Plus haut, j'ai fait du corps comme ça, je suis remonté. Il y a un diaphragme. Exactement. Plus étonnant et insolite, la jouissance ultime permet d'arrêter le hoquet. Toutes les grand-mères ont une technique, hein, on a faire peur, arrêter de respirer, boire à l'envers, un truc comme ça. Ouais. Mais non, mamie n'a pas dit, écoute, prends ton pied mon gamin, je te promets ça passera, va voir le curé ou un truc comme ça. Oh ben non. On bipera ça. Oui. Pourtant, ça a été prouvé par M. Francis Fémir, un scientifique récompensé par le prix Nobel parodique pour cette trouvaille. En fait, j'ai aucune info qui est sérieuse, j'ai l'impression. C'est que des trucs démolis après. Il a réussi à mettre fin à un calvaire de 72 heures d'un homme atteint par le hoquet grâce à un toucher rectal qui lui a provoqué une jouissance ultime. Alors ouais. Bah, Francis, big up, mais... Il faut quand même qu'on m'explique le protocole, parce que... À quel moment on dit on va juste essayer ça, c'est juste pour voir, c'est scientifique, les gars. Moi, je pense que Francis, il avait un léger kink. Je pense. Il a voulu profiter de la situation, et puis pif. Il est là. Je pense que c'est la surprise qui a arrêté le hockey, monsieur, je pense. Vous avez les mains froides. Dernière question là-dessus. Est-ce que, si je te dis Gwyneth Paltrow, tu me dis... Tu me vois venir peut-être ? Tu connais peut-être... Les bougies, les... Ah oui ? Oui, oui, bah écoutez... Voilà, tu as répondu à ma question, moi j'ignorais totalement. Pour moi, la bougie qui sent l'intérieur ? Alors, il y a ça. Ouais, il y a des... Mais elle a sorti... Il y a des œufs aussi que tu... Non, c'est une bougie. Ouais, qui sent l'orgasme. Exact, bah alors là, double right. Non, parce que je peux vous faire une contre-anecdote de ça. Elle a été poursuivie en justice. Parce que c'était une escroquerie ? Parce que, figure-toi que je crois que c'était des bougies assez grosses, dans des bouts en verre, là, tu sais, les bouts en verre. Ouais. Et en fait, si tu laissais la bougie aller jusqu'au bout, le verre explosait sous la chaleur. Ah d'accord. Ah oui, c'est pas pour l'escroquerie du tout, c'est pour le malfaçon. Ouais. D'accord. Alors, je vais... Enfin, je t'ai cassé ton jeu, dis donc. Non, pas du tout. Mais bon, je vais finir de développer, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas au courant comme moi. Oui. En fait, elle avait lancé au départ une bougie qui s'appelait « This smells like my vagina », que l'on traduira par « This smells like my vagina ». C'est son nom original. L'ancienne actrice qui apparemment est reconvertie en gourou du bien-être. Oui, elle a plutôt eu un... là-dessus. Oui. Elle a un truc hein, sur... Elle a une série sur... Elle pratique encore le... Elle est encore actrice ? Non, justement, on parle de gourou, de bien-être, truc comme ça. Et donc, elle a annoncé la naissance de la petite sœur de la bougie, qui s'appelle, donc ça sent comme mon orgasme. Car tant qu'à pousser le concept jusqu'au bout, si tout le monde s'est bien moqué d'elle quand elle a repris la première bougie, faut oser le sortir déjà, qui sent comme son petit intérieur. Oui, quand même. Ça coûte 66 euros, ça s'est vendu comme des petits pains, la première. Il y a quoi dedans ? J'ai vu ça quelque part. Donc la fragrance de sa bougie ressemble à ça. C'est un assemblage de pamplemousse acidulée, c'est ça, de Nairobi et de baies de cassis mûr mélangées avec du thé en poudre et des absolus de rose turc. Et j'avais en fait l'agrume parce que je me suis fait la remarque de me dire, quand j'ai découvert ça, si ça sent le pamplemousse quand tu fais l'amour et qu'on n'y est pas le trop, bof quoi. Bon, il y a pire. Pamplemousse, ça pique un peu quoi. Ça sent l'agrume, c'est bien, ça met plus un hectare. Ça dépend pour qui. C'est vrai. Excusez-moi. Je te passe la main. En parlant de Saint-Nectaire. Tout pile. Moi, je retourne sur mes pseudos. Je lâche pas. Ouais. À ton avis, qui sont connus pour être une troupe avec que des pseudos ? Une troupe de chanteurs ? Non. Une troupe de... De danseurs. De danseurs avec que des pseudos ? Des danseuses, pour être précise. Si. Les dames du Crazy Horse. Ah bah oui, dont Love Amour. Par exemple.
Oui, et normalement, c'est des qui font un peu jeu de mots, un petit peu rigolo, la plupart du temps. Eh bien, justement, je vais te faire une petite liste. Donc, j'ai une liste d'une quinzaine de personnes. Ouais. Et tu vas me dire si c'est des vrais. Ah, bien. Ou si c'est des fausses. Très bonne idée. Ouais. Si je te dis Nini Capital. C'est possible, ouais. C'est ça. Si je te parle de Sidonie Patin. Non. Eh bien, si. Si. Si je te dis Chiquita Tac Tac. Oui. Non. Si je te parle de Glory Colorature. Oui. Oui. Parce que j'aurais pas pu inventer ça. Non. Queenie Blackpool. Queenie Blackpool. Ouais. Oui. Oui, vrai, oui. Pamela Domestos. Non. Pardon, je me fais rire tout ça. Titi Bleuzy. Titi Bleuzy. Ouais. Ouais. Non. Non. Lola Bazooka. Non. Si. Ah. Si je te parle de Flippy Canicule. je suis en train de t'imaginer en train de chercher des noms. Est-ce que c'est... Non. Si. Si. Ouais. Et enfin, le temps passe vite, quoi, on s'amuse quand même. Ouais. Hein. Si je te parle de Kitty Panam. Oui. Non. Ah, bien joué, mais t'es bon en fait. J'ai travaillé pendant 15 ans au Crazy Horse. Ça aide. Rita Mombana. Oui. Non. Ah. Et t'avais dernière... tout ce que t'avais dans ta cuisine en fait. Domesto, c'est les produits ménagers. Et la dernière, Funny Cumulus. Oui. Oui. Quand même, on finit sur une bonne note quand même. Quand même. As-tu autre chose, toi ? Moi, j'ai plus rien. Non ? Est-ce qu'on a encore un petit peu de bande sur la cassette pour un jeu ? On a un peu de bande. On a un peu de bande ? Ouais, ouais. Bon, bah alors, très vite fait, alors. Je vais te donner des noms. Ouais. Et tu vas me dire si leur nom appartient vraiment à leur invention. D'accord. Je t'explique. Ça, j'aime bien. Est-ce que, par exemple, c'est Monsieur Nutella qui a inventé Nutella, par exemple ? Non. On est d'accord. Monsieur Ferrero. Est-ce que, par contre, le boycott, c'est Monsieur Boycott qui l'a inventé ? Oui. Ah bah d'accord. Donc c'était un propriétaire terrien qui était apparemment assez connu pour maltraiter les fermiers, les fournisseurs, donc ils se sont mis à cesser le travail avec lui, et donc à appeler au boycott. Si je te dis Ikea. C'est pas le monsieur Ikea, c'est les initiales Ikmar Kramput, était le nom de son village et de son. C'est les initiales, les premières. Eh ben, Ingvar Krampot. Krampot, ouais. Eh ben, c'est le nom de l'inventeur d'Ikea ouais, et le nom de son village. Ouais, c'est ça. C'est vachement fort, monsieur Fab. J'aime bien les marques en général. Si je te parle de Carpaccio, aucune idée. La préparation de viande. Du renom. Eh bien, si. Si. C'était Vittore Carpaccio, que tu es un peintre italien de la seconde moitié du 15e siècle. Je suis assez étonné qu'ils ne le connaissent pas. Non, je suis désolé. Et en fait, dans les années 50, il y a eu une exposition de ses œuvres qui était organisée à Venise. Et pendant ce temps-là, une comtesse qui ne mangeait pas de viande a voulu manger quelque chose. Il n'y avait que de la viande. Mm-hmm. Et ben donc, du coup, elle s'est fait servir de fines tranches de bœuf crues par un gérant du Harry's Bar. Et donc, en fait, en hommage à tout ça, ils ont inventé le Carpaccio. D'accord, ça passe mieux. Okay. Oui. Alors, j'en ai plus que deux. Ouais. Ça va vite, dis donc. Oui, j'aime bien. Les pralines. Les pralines. Ouais. Non. Eh bien, si. Ah bah, décidément, non, c'est non, pas... Non, hein, c'est pas une belle journée. Ah, dis donc. En fait, c'est un cuisinier du comte du Plessis-Pralin. Ah. Donc, voilà, donc les pralines viennent de là. Et ma dernière, réfléchissez bien. Je me concentre. La toupie. C'est Jean-Michel Toupie. C'est Jean-François Toupie, tout le monde le sait. Je dirais... Oh, il hésite. Oui. Je veux finir sur une bonne note, quand même. Je dirais faux. C'est faux. C'est faux. Oui. En effet, la toupie, les premières traces ont été trouvées en Chine dans les 2000 avant Jésus-Christ. Donc, il y a très peu de Monsieur Toupie en Chine à cette époque-là. Hansan Toupie. Oui. Donc, c'était mon petit jeu. Il y a tout un article qu'on peut trouver, hein, genre par exemple, Jacuzzi, par exemple, qui a été inventé par Monsieur Jacuzzi. Oui, ou, exact. Le baron de Poubelle. Eugène Poubelle. Eugène ouais. Poubelle. C'était le préfet de Paris. Monsieur Colt, qui a inventé les pistolet armes automatique. Qu'on voit dans Retour vers le futur 3. Je vais le regarder. Je sais qu'à chaque fois vous m'en parlez. Oui. Et jusqu'à ce que tu le regardes, je ne vais pas te lâcher. Bah, écoute, je vais faire une petite pause et je vais regarder le 3.
Eh ben, je crois qu'on est au bout. Déjà. Ah ouais. Ça passe vite. Bah, on a fait encore plus long que d'habitude, je crois bien. C'est vrai ? Oui. Bon, après, il y a tout un passage où je pédale dans la semoule. Non. Je suis irréprochable. Parfait, patron. Oh, c'est vous le patron. Tout bah, c'est vous. Qui c'est qui a la console qui... Mais qui c'est le chef ? Bah, c'est vous. Bah non. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous dire à la semaine prochaine. Ah oui. Pour le 29 décembre. Le dernier de l'année. Oh. On vous souhaite de bonnes fêtes, déjà. Ah, un joyeux Noël. Il y a de très grandes chances que vous écoutiez après les fêtes. Oui. Comme tout le monde. On n'est pas à l'abri. Vous écoutez voilà, si jamais vous êtes une petite centaine à écouter avant les fêtes, bah, bonne fête à vous. Joyeux et puis, voilà, prenez soin de vous, avec qui vous soyez. Faites-vous plaisir et... Et nous, on aime les fêtes. Voilà. Et à la semaine prochaine. À mercredi. Salut. Salut.